Bonjour les fleuristes, je vous propose aujourd'hui un bouquet hors tissu sur le thème de la fête des mères. Pour ça, on va avoir besoin de trois variétés de roses. Donc, j'ai choisi un camaïeu dans les tons roses avec la romantique antique, la Sophia Loren, la rose Sophia Loren, et une petite rose branchue rose pâle. Un petit peu d'eucalyptus comme feuillage. Et on va réaliser une structure comme ceci en se servant de base en fil de fer comme ça, mais on peut également découper un carton et travailler à partir d'un carton. Donc en fait, assez simple, on commence par mettre nos trois fils, alors trois ou quatre selon ce que vous préférez, selon l'épaisseur du fil dont vous vous servez. Cercle pour pas qu'il bouge. On viendra florataper comme ça nos fils pour assurer un bon maintien. Et ensuite, assez simplement, on va venir entourer notre laine. Voilà, tout simplement. On réalise trois fois l'opération. On assemble nos ronds comme ça, avec trois facettes finalement. On va venir reflorataper ensemble les trois structures, donc les trois tiges. Ça reste un peu souple pour être réglé entre eux. Et ensuite, on va venir travailler comme un bouquet classique pour les roses branchues. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est travailler au fur et à mesure nos trois cercles pour avoir une jolie vrille. Alors, j'ai commencé par trois variétés différentes, mais en fait, je vais mélanger les trois variétés dans chaque cercle. Entre mes ronds, je remets quelques petits boutons de rose branchue qui étaient sur les branches que j'ai mises. Voilà pour ce bouquet hors tissu sur le thème de la fête des mères. Je vous laisse le soin de vous l'approprier à votre image. À bientôt !